Mon père et ma mère, en fait, ils sont bosniaques. Donc, ils sont nés dans le même bled, mais à 600 km au nord là, d'ici, donc en Bosnie du Nord, le frontalier de la Croatie. Et bon, bah, comme beaucoup d'enfants d'immigrés, bon, bah, moi je suis né en banlieue, tu vois. Et chaque année, bah, j'allais voir grand-père, grand-mère, la famille, quoi, la famille. Donc, bah, j'ai chopé l'accent comme ça, quoi. Je suis allé régulièrement en Bosnie, chaque année, jusqu'à mes 17 ans, quoi. Bah voilà quoi, j'ai dû zapper en gros quoi la Bosnie pendant toute cette période de guerre et tout quoi. Je suis un dealer quand même. T'arrives et tu, quelque part, tu le catapultes là dans ce passé là, tu vois, où on était encore joyeux, innocent, tu vois. Oh, putain, je suis revenu de Bosnie, j'étais complètement anéanti quoi, tu vois. Et comme je suis revenu donc l'année dernière de Bosnie complètement azimuté quoi, je me suis dit, je vais les voir et y a pas à chier, je serai au festival l'année prochaine. Et ça y est, bah maintenant j'y suis et puis je compte y revenir chaque année quoi. C'est la folie ce que ça apporte à Agora HD. S'il y a une vie, il y a un engouement là, tous me disent hein, de toute façon. Et d'ailleurs d'année en année, ça se développe, ça progresse. Hein. Quand tu vois, t'as vu le monde qu'il y a là quand on se balade le soir. Donc c'est le pied quoi. Maintenant c'est au niveau de la culture quoi, à élargir ça. Il faut savoir quand même que les jeunes d'ici, par rapport à la population là qui est en Bosnie, ont cette chance incroyable de voir des gens d'extérieur. Donc je pense avec les années, ils vont s'habituer à voir ces choses un peu différentes, un peu comme on disait, un peu underground, là, avec comme font les Hollandais, ces trucs-là. Quoi. Là devant nous, là, putain, t'as la Drina qui est ici. T'as ce paysage magnifique, quoi. T'as des bâtiments qui sont encore tout explosés, tu vois, t'as encore des traces de balles et d'impact. Et regarde comment ils sont cool, quoi, putain. Don't let me go,